pas de réaction officielle d'Israël ce vendredi après-midi après l'expulsion de l'ambassadeur de l'État hébreu et des diplomates israéliens de Turquie. Selon des médias, le Premier ministre israélien a donné comme instruction aux membres du gouvernement de ne pas s'exprimer publiquement pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le mouvement islamiste radical Hamas lui jubile. Le Hamas, la résistance islamique, salue la décision du gouvernement turc d'expulser l'ambassadeur israélien, a déclaré le porte-parole du mouvement. Il considère cela comme une réponse naturelle à l'attaque contre les bénévoles de la flottille qui protestaient contre le blocus de Gaza. Sous couvert d'anonymat, un responsable israélien a souligné que l'État hébreu exprimait à nouveau ses regrets, mais ne s'excusait pas pour le raid meurtrier du 31 mai 2010.